Bonjour, c'est Cyril, le praticien du bilinguisme. Donc, si je vais à l'étape suivante, après ce refus, je me suis retrouvé en quatrième face à l'anglais. Alors, l'anglais, c'était un moyen de partir de 5 ans de souffrance, 5 ans de souffrance à apprendre l'allemand en refusant les différences de l'allemand. C'était long, c'était difficile, et en plus, vous avez dans le système scolaire français énormément de notes qui vous rappellent, comme si on vous mettait la tête sous l'eau, tu vois, t'es pas au niveau, et tu vas couler. Donc là, j'ai rencontré l'anglais, et c'était vraiment très très bien. C'était très bien, j'ai été très enthousiaste jusqu'au moment où je me suis retrouvé de nouveau face à une difficulté lorsqu'on est passé des verbes progressifs, hein, tous ces verbes, I'm talking, je suis en train de parler, à I talk. Là, cette différence, j'ai eu un peu de mal et j'ai failli faire la même chose. J'ai failli complètement rejeter cette forme progressive qui était bizarre, puisqu'à l'époque, on enseignait d'abord la forme progressive pour voir les verbes dans leur forme simple après. Peut-être que j'étais un peu plus mûr et c'était peut-être aussi la peur de ne pas valoriser différentes langues, puisque signer nous mettait que la possibilité de valoriser différentes langues. Et quelque chose qui, à mon avis, permet de lutter contre cette peur, mais je pense que ça ne vient que chez l'adolescent. Chez l'enfant, il est inconscient de ça. Donc, on va être obligé de travailler en tant que parent pour franchir sur l'inertie de l'enfant jusqu'à l'âge ado. Alors, j'ai relativisé, j'étais plus mûr, et je pense que la peur du déclassement social et du déclassement scolaire, parce que ça devient franchement difficile d'être un bon élève avec de très mauvais résultats en langue, a fait que je me suis quand même accroché sur l'anglais, et j'ai finalement accepté que le mode de pensée était différent, et après ça s'est rentré relativement facilement. C'était Cyril, le praticien du bilinguisme. La musique est de Boom Boom Beckett, Vélo de l'album Vélo, powered by Jamendo. Merci et à très bientôt.